On est en train de ranger nos affaires pour partir de la chambre, mais il faut que vous voyez la plus petite salle de bain du monde. Alors là, il y a la douche, et juste à côté, il y a les toilettes. Voilà, là je touche les deux murs, et j'ai même pas les bras écartés. C'est notre dernier jour à Amsterdam, et il va presque pleuvoir. J'ai mis mes chaussures sur le radiateur toute la nuit, j'ai jamais eu les pieds aussi secs de tout le voyage. En fait, c'est très étrange parce que le lampadaire qui est juste ici, il est allumé alors que pourtant, il est 11h. Ok, donc en fait, cette maison, c'est la maison d'Anne Frank en fait. Bon, ben, tel des bons touristes, on va faire un tour en bateau des canaux. Un tour en bateau des canaux. Bref, on va faire un tour en bateau des canaux. Ok, donc on est arrivé dans le bateau. Sauf que le truc, c'est que un oiseau m'a dessus en fait. Mais vraiment, on s'est un peu nettoyé depuis. Quelle chance! Ok, c'était plutôt fun, le bateau est juste là et c'était cool. Il y avait un Primark, j'ai craqué, je suis rentré. Ok, donc en fait à la base je voulais acheter un sweat à capuche de Pokémon. Sauf qu'ils avaient pas du tout ma taille. Donc finalement ce que j'ai acheté c'est... Bon, je vous le dis ce soir. Ok, on est au marché aux puces du quartier juif, mais il n'y a pas beaucoup de boutiques et c'est pas si ouf que ça. Après, c'est probablement parce qu'il est tard. Il est 2h. En fait, la statue qui est juste là, vous devinerez jamais qui c'est parce qu'en fait, c'est Spinoza. Saviez ce que je vous disais tout à l'heure, que les lampadaires étaient encore allumés? Celui-là aussi. Et pourtant, il est 2h15. Ce bateau est en fait une maison. Là, il y a une cuisine. Et là, c'est une sorte de salon. C'est super cool. The latte is at the end. Starbucks rend toujours votre journée meilleure. Je suis persuadé que le masque qui est là, le deuxième en partant de la gauche, c'est un masque de Donald Trump. C'est super pour Halloween. Il est 4h15. On est toujours à Amsterdam. J'ai démarré ma troisième et dernière batterie d'appareil photo. Et je viens de démarrer un timelapse. Quelque chose que j'avais jamais remarqué, mais vous voyez la maison juste là, ça se voit pas beaucoup à l'écran, mais en fait elle penche. Et en fait c'est parce que le sol d'Amsterdam est composé de tourbe. Et en gros, maintenant il y a pas mal de... Les maisons sont construites sur pilotis, et maintenant la plupart sont en béton. Mais il en reste certains qui sont en bois.
Et du coup, à cause de la tourbe, ils pourrissent. Et c'est pour ça que les maisons basculent un peu sur le côté. Très très drôle. En fait, là, tout ce qu'il y a derrière moi sur toute la grande rangée de la rue, c'est le marché aux fleurs. Et il est très très grand, il n'y a quasiment que des tulipes. Ah, des tulipes. J'ai probablement dû déjà vous le dire, mais toute cette place là, c'est la place Dame. Et ça, c'est un damn good café. Donc on est arrivé à l'aéroport et là maintenant on attend notre bus pour aller à l'hôtel. En tout cas l'aéroport a l'air super cool. Eh hey, c'est notre hôtel, enfin le bus qui nous emmène à l'hôtel. Bye. Je m'attendais à un petit hôtel, mais en fait, il est juste super cool. C'est des vrais. Waouh. Hello. A Robin? Yeah. Oh wow. Thank you, bye. You're welcome. Ouais, j'adore cet hôtel. Eh, hey, c'est notre chambre. Ok, c'est clairement l'hôtel le moins cher de tout le séjour, et pourtant c'est la plus grande chambre. J'aime vraiment cet hôtel. Ah oui, au fait, je vous ai toujours pas montré ce que j'ai acheté à Primark. Un pyjama intégral Pikachu.